Bonjour tous les cancers d'août 2019. Alors gratitude à vous tous. Nous allons donc du coup faire une guidance ce soir avec le tarot des anges ici présent, avec le tarot des archanges. Et je voulais vous présenter une nouveauté, le tarot de la bienveillance. Voilà, soyons bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres. Voilà, gratitude à vous tous de me suivre, de vous être abonné à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le si ça vous dit. Partagez cette guidance de cancer. C'est un message du cœur. Nous allons donc du coup commencer cette guidance. Et du coup, le plus important d'ailleurs, c'est d'avoir la gratitude envers nous-mêmes et envers le monde, envers tout ce que l'on peut avoir. Soyons reconnaissants de ce que l'on a à l'heure actuelle. Et du coup, nous allons donc remercier ces tarots, ces oracles qui sont là. Et donc, du coup, nous allons donc faire une prière. Je la dis à voix haute, hein, mais normalement, on ne la dit pas à voix haute. Je remercie donc tous les archanges, les anges, l'univers, les maîtres ascensionnés, Dieu, l'univers, la source, la matière, le divin, le grand tout. Pour cette guidance, qu'elle soit le plus explicite et le plus authentique possible. Je vous remercie. Voilà, donc du coup, nous allons commencer avec le brassage des tarots des anges. Hop là. Alors, dites-moi en commentaire si vous aimez quel tarot vous aimez bien, le tarot des anges, le tarot des archanges, le tarot de la bienveillance, tout simplement. Et donc, du coup, laissez-moi votre ressenti, ce que vous... Laissez-moi tous vos messages, si vous avez des questions et tout, pour qu'on puisse faire... faire, comment on dit... ça a failli sauter, mais non. Pour qu'on puisse... pour que je puisse faire des tarots et des guidances. Alors j'avais en avant-première pour vous, j'avais envie de faire des tirages sur votre prénom. Donc du coup, si vous avez envie que je vous fasse des tirages par rapport à votre prénom, vous pouvez me contacter en message privé ou alors tout simplement... je ferai des tirages par rapport à votre prénom. Voilà, donc si ça vous dit, laissez-moi les commentaires pour me dire oui, si c'est bien ou pas. Voilà, des tirages 3 cartes, les cartes celtiques, des tirages 3 celtiques, la roue, etc. etc. Dites-moi vraiment en commentaire quelle façon vous aimeriez. Je vois que les guidances vous... ça vous parle beaucoup. Et donc du coup, il faut savoir que les tirages aussi, même 3-4 du passé, présent, futur, tout simplement, nous permet aussi vite aussi d'être guidé en fait, tout simplement. Plus personnellement, on va dire d'une certaine façon. Voilà. Donc du coup, nous allons commencer cette guidance des cancers d'août 2019. D'ailleurs, vous avez remarqué, aucune carte n'a sauté. Donc du coup, on ne sait pas de quoi cette guidance va nous parler. Voilà. Alors du coup, nous allons tout simplement prendre le temps de méditer. C'est un enseignement spirituel, une découverte de soi. L'archange Raziel a été clair, tout simplement. Elle vient de nous dire, voilà, qu'il faut prendre le temps de méditer. Voilà. D'ailleurs, on a le 2 de feu hein, qui nous explique bien. Voilà. Et qui nous dit que vos rêves... Le 9 d'Ariel, tout simplement, il est là pour nous dire que on n'a rien sans rien, d'accord ? Il faut arriver à aimer les belles choses qu'offre la vie, comme cette guidance que je vous offre. Si vous l'aimez, partagez-la et que vos rêves vont se réaliser. Alors,
petite méditation, tout simplement, sur mon autre chaîne YouTube, parce que j'ai deux chaînes YouTube, où je vous explique, en fait, sur une de mes vidéos, la méditation. Alors, je vais vous donner une petite méditation à faire facile. C'est la méthode du 1-4-2. Alors, c'est quoi, Fabrice ? Fab, l'enfant indigo, c'est moi, voilà, si vous ne me connaissez pas. Et donc, du coup, c'est quoi ? Eh ben, imagine, je te la donne maintenant. Méditation 1-4-2. On inspire l'énergie positive une seconde, le plus profondément possible. On retient pendant 4 secondes l'énergie à l'intérieur de nous pour qu'elle circule de partout pendant 4 secondes. Et on expire toute l'énergie négative qu'on a accumulée de la journée pendant 2 secondes. Au pire, pour accentuer le truc, on peut dire inspiration, oui, j'absorbe l'énergie positive, je la retiens pendant 4 secondes, et oui et non, je ne veux plus cette énergie négative qui est à l'intérieur de moi et je l'expire. Vous faites ça 10 fois par jour, tous les jours, vous allez voir, wouhou! Vous allez avoir un monde merveilleux, formidable. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, une guidance, l'as de feu. On continue, hein, tout simplement. Il faut savoir que votre vie, elle est faite d'amour et de grâce. Les relations familiales sont harmonieuses. Vous êtes à la recherche du bonheur. Le bonheur, il est là, ici et maintenant. On est ensemble. Donc, du coup, on pourrait dire qu'on est dans un instant de bonheur. Le bonheur, c'est nous-mêmes qui le créons à chaque instant. Voilà. Et donc, du coup, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Là, franchement, le page de terre qui nous dit tout simplement, vous êtes couronné de succès. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Ok, d'accord. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Ah, vous allez donc peut-être apprendre, étudier, vous former. Ça, c'est bien, 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 c'est formidable. D'ailleurs, le roi de feu est là, avec son cœur bienveillant et son énergie merveilleusement. Et vous êtes tout simplement en train de vous dire qu'il faut cesser de procrastiner. La procrastination, c'est de se dire oui, je le ferai demain, je le ferai tout à l'heure, puis qu'on le fait jamais. Voilà. Il faut vraiment que vous vous battez pour vos valeurs. Il faut vraiment que vous créez vos propres valeurs. N'abandonnez pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la guidance, la justice, c'est l'archange Raguel. Merci, l'archange, de nous dire voilà, la justice. N'abandonnez pas. Même si c'est dur à certains moments de notre vie, ok. Il n'y a pas de souci. Ok. Hein. On va persister. C'est un mauvais moment à passer. Je vous donne un outil tout simple à mettre en place, mais qui va changer votre vie. C'est le mot tout passe. Acceptez et accueillez vos émotions quand elles arrivent. Tout passe. On accepte, on accueille, au bout de 10 minutes, tout simplement, vous allez voir que vous allez passer d'un moment de tristesse à un moment de joie. Les émotions négatives sont là et on va passer par des émotions positives. Le yin, le yang, le monde binaire, voilà. Il n'y a pas que le monde binaire, bien sûr, mais quand on prend conscience d'une certaine chose, on se dit « ok ». Vous avez tant de choses, c'est la guidance. Vous avez tant de choses d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, votre retraite à l'horizon peut-être, une vie de famille riche et gratifiante. C'est vous-même qui créez votre vie. Voilà. Vous la créez, vous faites ce que vous aimez, vous partagez ce que vous avez envie de faire. Vous vivez votre vie. C'est où vous subissez votre vie, malheureusement. Comme beaucoup de personnes, vous êtes victime de votre vie. Moi-même, à l'époque, j'étais victime de ma vie. Ou alors, tu es acteur de ta vie, tu passes à l'action, tu affrontes tes peurs. Comme moi, quand j'étais au début, que j'ai commencé ici à faire mes vidéos,
J'avais peur de la caméra, je bégayais, j'étais... Voilà, si vous voulez voir ma première vidéo, vous allez sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle pareil, Fable Enfant Indigo, et vous verrez, j'ai 430 vidéos. J'ai postulé, j'ai posté 430 vidéos avant d'être à l'aise pour parler à la caméra. Soyez persévérants, les amis, soyez persévérants. Et la victoire arrivera. Vous êtes sur le point d'annoncer de bonnes nouvelles. Je vous annonce de bonnes nouvelles, tout simplement. Vous allez recevoir une belle récompense. Voilà, c'est formidable, la guidance, magnifique. Il faut de toute façon de voir une meilleure façon de faire. Vous voyez, tout simplement, il faut vraiment prendre un temps de réflexion et se dire, ok, j'ai fait ça, ça marche pas. Soyez différents et osez, les amis. Voilà, c'est l'archange Samuel qui dit, voyez sous un angle nouveau, tout simplement. Après, le page d'air, tout simplement, il nous annonce d'être honnête, d'être logique et d'être un être curieux. Tant qu'on n'est pas curieux de nature, si on n'est pas curieux de nature, de se dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ce petit animal, il est magnifique, il est beau. Je ne sais pas ça. Vite, je vais sur Google. Google est mon ami. Voilà, soyez curieux, les amis, de tout. Un animal, la nature, vous caressez un arbre, peu importe, et vous allez être curieux de vous allez vous rendre compte que, waouh, c'est merveilleux, c'est fantastique. Nous sommes du coup dans l'eau en permanence. Hein. Faut vraiment savoir que on est dans l'eau. Et là, le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès, tout simplement. Il faut savoir que plus vous allez... Vous avez un travail hautement qualifié et récompensé, 8 de terre, voilà. Tout simplement, ça veut dire quoi en fait? Avant de quitter cette guidance, ça veut dire que plus vous pratiquez, plus vous allez travailler dans un domaine qui vous passionne, qui vous fait vibrer, et plus vous allez être bon dans ce domaine. Je suis dans la guidance, je suis dans le développement personnel, je vous accompagne, je vous guide. Donc vous pouvez aller voir sur mon autre chaîne, voilà, tout simplement. Je vous accompagne et je vous guide, jour après jour. Voilà, ça fait un petit moment que je vous accompagne et je vous guide. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos abonnements. Et je vous dis à très très bientôt. Partagez cette guidance des cancers août 2019. Et abonne-toi si ça t'a plu, si t'as aimé, si t'as envie d'en voir plus. Laisse-moi tes commentaires, laisse-moi ton ressenti et dis-moi, ouais, j'en veux plus, j'ai faim de progresser. Je vous aime, à très bientôt.